Pierre-Yves, tu es le directeur général d'OW2. Ouais. Et aujourd'hui, on officialise le fait que l'Inagora rejoigne à nouveau la communauté OW2. Et donc, on est heureux de ce pas vers vous, de revenir en fait dans un univers qu'on connaît bien. On a été membre pendant plusieurs années. Toi-même, tu es un ancien collaborateur de la société. Oui, absolument. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, le lien était finalement assez naturel. On s'est retrouvés cette année et on s'est dit qu'il fallait... Tu nous as gentiment invités à OW2 Conférence, oui, qui a lieu chaque année au printemps. Au mois de juin. Donc cette année, c'est le 11-12 juin. C'est chez Orange à Châtillon, dans les locaux de Orange Gardens. Voilà. Et sous ton impulsion, OW2, c'est vraiment en train de cartonner. Il y a vraiment une nouvelle étape du développement d'OW2. On a pu constater ça à l'occasion de votre OW2 Conférence. Et puis on s'est dit qu'on pouvait pas rester en dehors et qu'il fallait en fait qu'on rejoigne la famille OW2. Et donc on est ravis de t'annoncer, cher directeur général, que l'Inagora rejoint OW2. Et on est ravis d'accueillir l'Inagora chez OW2, sachant qu'on s'est aussi croisés, notamment à l'Europe, hein, autour des événements aux ors, etc. Donc où l'Inagora venait présenter ses derniers développements autour de l'IA. Donc il faut voir aussi que nous, pour l'instant, dans l'IA, on n'a pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu le fait que notre communauté n'a pas encore vraiment pris ce virage-là. Bon, on n'est pas pressé non plus de sauter sur le premier buzz venu, mais quand on a les... C'est plus qu'un buzz, hein, l'IA. Oui, c'est plus qu'un buzz. Mais quand on a la possibilité aussi d'intégrer ce genre de démarche au niveau de la communauté, bah, ça nous intéresse. Voilà. Donc, ouais, et puis, c'est l'occasion. Traditionnellement, c'était très infrastructure au W2. Et donc, effectivement, on rajoute là avec l'Inagora et ce qu'on fait dans le domaine des LLM, avec OpenLLM France, l'idée de rajouter une nouvelle dimension à OW2 sur ces sujets d'IA. Sur ces sujets d'IA et sur aussi, j'allais dire aujourd'hui, on a une dynamique aussi d'ouverture. Bon, nous, on est quand même une communauté ouverte à tous, hein, donc on est très connecté au monde académique historiquement. On est aussi connecté au monde du secteur public. Hein. On a la Gendarmerie nationale et la ville de Paris qui est d'ailleurs sur notre stand là. Donc on est vraiment une communauté ouverte à tous, il y a des individuels, il y a des entreprises, donc je pense que c'est l'écosystème société civile de l'open source au sens large. Donc voilà, l'Inagora en fait partie tout simplement et c'est bien de les avoir parmi nous. Bon ben voilà, c'est ça, on a fait l'annonce. On l'a fait l'annonce. Eh ben c'est super, allez. Mais... NGI, donc Next Generation Internet, c'est des fonds européens. C'était du fonds Horizon, mais en version très simplifiée pour être rendu accessible à tout le monde dans la communauté. Donc ça peut financer de très petits acteurs, des plus gros aussi, mais bon, de très petits acteurs, y compris des individus. Donc ça descend bas, hein, on va dire. Hein. D'habitude, Horizon, ça va pas jusque là. Et pour soumettre un projet, c'est simplement un formulaire à remplir. Donc il faut être capable de dire ce qu'on veut faire, hein, concrètement, qu'est-ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire. Comment on s'insère dans une communauté, à quoi sert ce projet, quel est son existant, etc. Et on clique sur Submit et avec un peu de chance, on est financé. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous avez obtenu l'animation d'un cascade funding, hein, ça s'appelle comme ça. Absolument. Et donc la commission vous donne combien de millions à dépenser ? Alors, il y a 27 millions au total sur l'appel à projet. Donc, 27 millions d'euros. Il y en a 80% qui sont reversés à la communauté. Ça fait 21,6 millions. Et le reste, c'est pour justement financer l'animation et les actions de promotion, etc., et de suivi. Tout à fait. Et donc, il y a 20 millions d'euros, 21 millions d'euros que vous allez redistribuer à l'écosystème des gens qui font du numérique. Voilà. Donc, ça va se faire sur 3 ans. Des communs numériques. Les communs numériques et l'open source. Donc l'idée, c'est le centre de NGI, c'est le stack Internet au sens large, orienté, enfin plus inclusif possible, hein, orienté société civile, respect des libertés individuelles, etc. Donc NLNet a une phrase très claire, hein, sur le site de l'appel à projet, où ils disent que pour pallier l'échec du marché, alors c'est pas une vision anticapitaliste, hein, l'échec du marché, ça veut dire le fait qu'on nous pompe nos datas, qu'on mette en avant des contenus haineux, etc., de la désinformation et j'en passe, qu'il y ait des GAFAM, des trucs comme ça. Ils mettent en place une compensation. Donc voilà, l'échec du marché. Et l'autre truc qu'ils veulent pallier, hein, c'est ce qu'ils appellent la course en avant dystopique. Donc le fait que les États aussi nous fassent des misères avec de la surveillance généralisée,
avec de l'espionnage, avec de la propagande et j'en passe. Donc ils veulent aussi garantir les libertés civiles. Donc ça, c'est les deux points qui sont, c'est les deux objectifs centraux. Et pour ça, ils disent qu'il faut s'appuyer sur l'action communautaire, c'est-à-dire sur la société civile au sens large, qui inclut aussi le business. Hein. C'est pas que des associations ou que voilà des anticapitalistes. Hein. On en est loin. D'ailleurs, il y a l'appel hein, parmi les membres du consortium, hein, le syndicat professionnel, et ça est de l'assistance par des fonds publics. Donc, ils considèrent que ces deux axes-là sont garants de la protection de nos libertés civiles et de quelque chose d'un Internet plus respectueux et de commun numérique basé sur des biens communs. Bon, une bonne raison d'adhérer à OW2, c'est pas pour nous l'unique raison et la seule raison pour laquelle on adhère à OW2, mais en tout cas, c'est une raison supplémentaire d'adhérer à OW2. On est d'accord, et d'ailleurs, visiblement, ça suscite pas mal d'intérêt. Hein. C'est, pour nous, c'est un vrai succès, et je crois qu'il est reconnu comme tel par beaucoup de gens. Quoi. Donc ça nous fait plaisir, on est très heureux d'avoir obtenu ça. Bon, voilà, rendez-vous sur ow2.org. Tout à fait, ow2.org. Merci.